m'a écrit ministre là, c'est ça m'va le faire là, je dis hein, m'a écrit ministre là et m'a bail directeur a 8 jours pour le mettre tout document normal pour venir dans le Sénat et pour le capable communiquer nous le ça grand public là bien chance pour qu'on ait mais qui ça qu'a passé, mais qui ça qu'a passé, mais comment comme Ona lui-même l'a dépensé. Et gros ensemble des documents que me gagne déjà. Je ne peux pas pour communiquer au bail la presse parce que je veux, c'est après séance de travail ça, moi-même pour me dire population, mais qui ça lié. Et je pense que je dis à l'important pour me dire population, nous ne pouvons pas aller dans Ona encore, nous ne pouvons pas aller parce que publiquement, le directeur a dit qu'il ne peut pas recevoir nous. Je pense que c'est vraiment important pour nous camper parce que ce n'est pas dans l'affrontement que nous avons parlé, ce n'est pas goumen nous avons goumen, c'est travail nous avons travail. S'il n'est pas disponible, je pense qu'il faut nous camper. Je vais inviter le ministre dans 8 jours, côté la gain pour venir ici avec tout directeur et le ça, c'est la presse, la population a bien chance pour vivre séance de travail ça, pour qu'on ait, mais qui côté tout le corps a fait, mais qui j'en corps a dépensé, mais virement qui fait, mais qui ça qui sous, mais qui ça qui derrière, je pense que c'est. Participation collectivité dans le développement local. Il n'a pas changé en profondeur l'idée, mais en ce qui a trait à agencement, fonctionnement, harmonisation différents organes, nous travaillons sur eux et nous gardons, nous faisons tout changement pour nous faire pour le fonctionnement ça, il n'y a pas de problème à l'avenir. Nous demandons pour camper l'élection indirecte, c'est pour te favoriser, créer un cadre légal qui favorise un meilleur fonctionnement de organes dans la collectivité territoriale. Nous-mêmes, dans le Sénat, nous avons fait tout le travail que nous avons pour nous faire. D'ailleurs, le gouvernement a demandé des bénéfices de l'urgence. Nous avons le bénéfice de l'urgence. Donc, nous avons fait tout le travail que nous avons pour nous faire. Et puis, nous avons envoyé la Chambre des députés. Nous espérons qu'il va le faire même avec nous pour envoyer l'exécutif là et reprendre l'élection indirecte, mettre la collectivité à fonctionner pour la population effectivement les capables de participer dans le développement local. Décentralisation, ce n'est pas un mot, ce n'est pas une parole. Nous disons décentralisation et puis décentralisation faite. Décentralisation, c'est un processus que lié. Processus ça, faut-il que les gens aient un cadre légal pour être capable d'avancer, nous mettre le cadre légal là. Mais il y a un élément extrêmement important que nous parlons, c'est la mobilisation fiscale. Parce que nous n'avons pas qu'à espérer que les collectivités aient autonomie financière et administrative si elles n'ont pas rentré l'argent. C'est ça qui fait un travail qui a fait au niveau du ministère de l'Intérieur d'encourager. C'est recensement et tout caillou, recensement tout business. Pour nous capables de joindre un impôt locatif, pour nous capables d'alimenter le fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, comme patentio et contribution foncière sur les propriétés bâties. C'est ça pour mairie arriver à mobiliser les ressources locales et d'autres ressources que vous avez dans la commune pour permettre que vous-même soyez capable de financer le projet. C'est vrai que l'accompagnement de l'État, les besoins, c'est-à-dire ressources externes, ça casse aussi dans l'État, mais il faut qu'il y ait une mobilisation de ressources locales pour nous capables de faire décentralisation. Et en plus, décentralisation, il faut qu'il y accompagne, il faut que déconcentration accompagne. C'est-à-dire services techniques que l'État gagne au niveau département, travaux publics, ministère de l'Éducation, santé, eh bien, il faut qu'il renforce tout. De telle sorte que vous êtes capable d'accompagner la collectivité, le projet et le programme que vous avez dans la collectivité. Bon, nous avons gagné et un bon travail qui fait au niveau et PNH, et sorti de le ministre de là jusqu'à ce que le Praléa, qui fait que un minimum que vous êtes capable de faire en termes d'assurer la sécurité dans la population. Travail ça, il doit continuer, travail renforcement la police là, il doit continuer jusqu'à ce que nous soyons capables de gagner une force de police et qui lui-même a même de garantir dans les conditions optimales sécurité population. En 2004, et avant que nous ayons le ministre là, nous n'avons pas de marcher dans la rue. Depuis le 6 et 7 du soir, et nous connaissons tout le monde entré. Nous avons un pile problème. Maintenant, je dis, pas gagné un problème ça. Moi-même, je pense que c'est un progrès lié. Mais par contre, nous croyons que ça pour l'insécurité, c'est un problème social. Dès lors, on n'a pas de travail, dès lors, on paye, on n'a pas manger là-dedans, il y a délinquance, il y a loisiveté. Maintenant, la créer un pile insécurité.